J'ai retrouvé un appareil à faire apparaître des pièces. Examinez, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non. Eh bien, regardez bien. Rien ici, rien dedans. Je referme. Et si je prononce abracadabra, il y a une pièce qui apparaît. Et c'est une pièce de 2 euros. Incroyable, non? Donc ça, c'est un appareil à fabriquer de l'argent. Est-ce que vous avez une petite pièce? Oui. Allez, je vais la prendre. Regardez bien. Ça, c'est un appareil à faire voyager les pièces. On met une petite pièce ici. On referme. Donc on peut examiner, vous avez vu. Et bien maintenant, je vais prononcer une formule magique pour faire voyager la pièce et la faire disparaître. Attention, abracadabra. La pièce, elle a effectivement disparu. Rien à l'intérieur. On peut donner à examiner, allez-y. Eh bien, regardez bien où elle est passée la pièce. Elle est passée dessous. Je vais vous faire un petit tour de magie. Par contre, il me faudrait une petite pièce à vous. Est-ce que vous avez ça? Oui. Hop! Une petite pièce de 1 centime. 1 centime. Donc, je vais le poser ici, bien en vue. Et là, on peut examiner. Vous avez vu, il n'y a rien à voir. Ordinaire. Donc, je mets ça par-dessus. Et je vais vous donner la baguette. Vous allez passer la baguette au-dessus de la boîte en prononçant une formule magique dans votre tête. Parce que les formules magiques, c'est secret. Et normalement, grâce à la formule magique, si vous avez fait la bonne, vous allez transformer la pièce de 1 centime en 5 centimes. Je crois que vous êtes trompé. Vous avez fait la mauvaise formule magique. Vous avez transformé 1 centime en 2 euros. Bon, mais je le garde, hein. Merci.